Bon, il est 19h, et comme on a tous autre chose à foutre que de passer la soirée coincée ici jusqu'à pas d'heure, je vais prendre les devants et répondre à toutes les questions cons avant que vous les posiez. Oh, Jackie, vous êtes sûre? Ah, ouvrez grand vos boîtes à miel, je vais pas me répéter. Oui, ils ont le droit d'aller pisser, sauf si c'est toutes les 5 minutes. S'ils sont incontinents, c'est dans un EHPAD qu'il fallait les scolariser. Oui, ils feront des sorties scolaires et on vous préviendra avant. On ne décide pas d'un coup de scolter les 50 gamins de son plein gré juste pour le kiff. Non, on n'est pas responsable des menus de la cantine. Et je rappelle que pour 3 balles, oh, surprise, c'est pas un restaurant étoilé. Non, les jouets, jeux portables, tout ça ne sont pas autorisés. Parce qu'en fait, ici, bah, c'est pas un centre aéré. Voilà. Oui, ils feront du sport et on vous préviendra avant pour la tenue. Ils vont pas aller nager en jogging. Oui, il faut les récupérer à l'heure. On fait pas babysitting. Et alors, très important, non, vos enfants ne sont pas si géniaux. Voilà, c'est juste que c'est les vôtres. Donc on se détend. Hein. Il n'y a pas 250 enfants géniaux ici. Sinon, ça se saurait. Et... Merci, chérie. Tout est clair? Eh ben, c'est parfait. Fin de la réunion. Tout le monde peut rentrer. Bon, merci. Merci à vous, Jacqueline, pour cette prise de parole. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, fin de la réunion. Chers parents, bonne soirée. Bonne soirée.